Il est tout aussi rat, mon copain. Bonjour les matelots, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réparer votre galion lors de combats divers et variés. Étant joueur de LBH, 4 fois 5ème sur 5, vous obtiendrez ici les meilleurs conseils afin d'augmenter votre skill en PvE contre des galions squelettes. Les priorités. La Songal étant la cale qui fait remplir le plus d'eau dans un bateau lorsque le niveau d'eau excède une limite, il est essentiel de la patch en premier et ensuite de s'attaquer à la première cale. Cependant, prioriser la Songal n'est pas une des seules responsabilités du répa, mais aussi de gérer les trous. Les trous existent en différents tiers, ils vont du T1 plus bas au T5 plus haut. Étant donné que les T1 et T2 sont les plus simples à réparer, il est inutile de réparer les T3 et au-dessus, donc un bon répa devrait uniquement se focus sur les petits trous, simples et faciles à réparer. Corps à corps. L'objectif d'un border étant de tuer le répa, il est essentiel de bien savoir se défendre, le combo d'armes le plus opti étant un bilge et le blunder plus pistolet. En effet, cela permet de recharger très vite les armes si le répa se fait push en cale, et aussi de pouvoir tirer à travers les trous du bateau avec le pistolet, afin de toucher les canonniers ennemis depuis la cale. Étant donné que les deux main canons sur le bateau sont essentiels afin de mettre une pression canon, il est nécessaire de ne jamais appeler de l'aide pour écoper. En effet, une seule personne est toujours assez pour écoper un galion. Tips pour les nouveaux joueurs. Étant donné que les trous peuvent être durs à voir, il est nécessaire pour tout bon répa d'utiliser un ESP afin d'être plus efficace. En prime, l'ESP vous indique aussi la position des ennemis. Merci d'avoir regardé Tuto Tirac, mon copain.